Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour la fameuse astuce Kama dont je vous avais parlé dans le live d'il y a 2 jours. Je vous en avais déjà touché quelques mots. Il va s'agir d'une astuce Kama qui est très simple à faire, mais qui a quelques petits prérequis. Mais une fois que ceux-ci sont remplis, c'est vraiment une astuce de malade mental. On va vraiment se faire beaucoup de Kama par heure. Donc, je vous conseille, c'est d'avoir au moins un perso. Je dirais entre niveau 100-120. Qui tape assez bien. Et qui peut soit taper de loin, soit approcher les adversaires assez facilement. Donc, genre un Sacrieur, un Kra, un Yop ou un truc comme ça. Ça va consister en quoi? Ça va être le capture de DD et la revente en HDV ou un élevage avec, ça dépend, vous faites comme vous voulez. Donc les prérequis, c'est un personnage niveau 120, plus ou moins, je dis ça peut être gérable plus bas niveau, mais il faut mettre des stuffs avec des résistances, comme ça c'est super facile. Et alors, pourquoi j'ai cliqué là-dessus? Et alors, deuxième prérequis, c'est le sort apprivoisement des montures, pardon. Il s'obtient à la fin du donjon Koulos. Il est ici le donjon Koulos. C'est super facile. Il y a juste un putain de chemin de merde à faire. Je vous mettrai, si vous voulez, un lien avec de Videofus ou de Dofawa.fr avec le chemin à faire. Le donjon, il est dans les 51 à 100. Donc, ouais. À 3-4 vers le niveau 100, il est vachement gérable. Et alors, à la fin, il y a deux PNJ. Il y en a un. Faut lui donner 50 fleurs d'eucalyptus et 50 feuilles d'eucalyptus. Ça coûte pas cher. Hein. Vous allez voir l'HDV. Comme imaginez, vous le faites avec deux persos. Ben, vous en achetez 100 de chaque. Vous répartissez les 50 de chaque côté. Et puis voilà. Et une fois que vous avez votre sort, ben, faut que vous le mettiez. Moi, je l'ai sur les nids. Il faut que vous déséquipiez votre Dragodan, sauf si vous n'en avez pas. Vous équipez en corps à corps un filet simple de capture. Donc je vais vous montrer où est-ce qu'il peut s'acheter. C'est là, à droite, je pense. Non, c'est juste au-dessus. C'est moins 18-0. Oh, je vais la retrouver la map. C'est vraiment pas loin du truc. C'est juste là à droite, je crois. Je suis pas sûr. Non, c'est pas là. Enfin, c'est autour du zap. Ça coûte 100 kama unité. C'est peut-être ici. Non. Non, du Doom. Ah, voilà, c'est ici. Donc, c'est en moins 17-0. Vous parlez à Claco et là vous pouvez acheter des filets de capture à 10 Kama unités. Puis après, ben, vous retrouvez votre perso, vous allez dans le village des éleveurs et il y a des dragodins partout. C'est le territoire des dragodins, c'est pas pour rien. Et là, il y a énormément de groupes avec des dorés. Donc je vais tester avec vous pour vous montrer. Je vais essayer d'en capturer une avec vous pour vous montrer que c'est pas bien compliqué et vous expliquer un petit peu le principe. Il est où le groupe? J'ai pas rêvé, j'ai vu un groupe avec seulement du DD. Attendez, on va se mettre en transparent. Oh ben non, ben c'est qu'elle s'est fait aggro, donc je le vois. Ouais, voilà, il y a un groupe. Ok, d'accord, il est là. On va la rejoindre pour l'aider. Sauf si elle veut pas. On va y aller. Faut que je protège juste mon ennemi. Et alors, à la fin du combat, ça se passe comme une capture d'âme. Hein. Vous mettez le sort, vous l'enclenchez, et puis après, bah, vous attendez. Donc, on a une Ossa 200. Qui a l'air stylé. Donc, voilà, c'est aussi le niveau 1, ça vous donne 25%. Et le filet de capture, probabilité de vie. Donc, oh, 25%. Oh, je savais pas ça. Je viens de découvrir ça avec vous.
Je ne savais pas que si on le faisait, ça donnait 25% en plus. Donc imaginons sur une DD émeraude rousse, et bah ça vous donne 75 de vita en plus. Ah, ça c'est cool par contre. Oula, il y a le son qui vient de s'enlever. Voilà. En fait, on m'avait appelé sur Skype. On a bien tout fait. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que les DD sont pas dures à faire, mais elles ont beaucoup de PM, alors elles bougent beaucoup. Voilà. Et les DD dorés. En fait. On peut capturer seulement soit les DD amandes et les DD rousses, là elles sont déjà mortes, donc je pourrais pas vous le montrer. Sinon il y a les DD dorés aussi, mais les DD dorés je sais pas le prix. Mais je sais bien que les DD amandes et les DD rousses, vous allez voir, le prix est assez monstrueux. Je crois que c'est pareil sur tous les serveurs. Donc c'est vraiment pas mal, ça demande un peu d'investissement parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Ça va? Mais c'était vraiment cool. Voilà. Voilà, il revient. Se protéger. Voilà, ça c'est bon. Désolé, un petit contretemps sur Skype. Plus que la amande et une dorée. Non, deux dorées. Ah ben elle le fait aussi. Donc je vais lancer aussi avec mon ennemi. Et peut-être avec chance, on va peut-être en capturer deux, hein, qui sait. Je vais pas finir avec la sacrée exprès. Enfin si, je vais tuer la dorée avec la sacrée. Et j'essaierai de finir avec l'ennemi. Voilà. On met le sort. Et voilà. Puis on va tester. Après, si ça fonctionne pas, je vous garde avec vous le temps que ça. Je te rends. Et il termine. Donc malheureusement on n'a pas droppé. Parce que oui, c'est sous forme de drop, vous allez voir le certificat à la fin. Je vais faire un autre combat avec vous pour vous montrer. Je vais essayer d'en avoir une, hein. Je vous garde tant que j'en ai pas. C'est cool. On va essayer de pas la tuer non plus. On va faire comme ça. Sort d'approvisionnement. D'apprivoisement. Voilà, approvisionnement, ça veut rien dire. Et voilà. Non, toujours pas. Je fais souvent ces. Ouais, non, je peux faire ce groupe là en fait. Donc, j'allais dire faire des groupes de entre 1 et 4, mais c'est vrai qu'on a plus de chances de probabilité de l'avoir en fait comme ça. Je vais essayer d'aller à moi, je vais des boîtes. On va faire ça. On va faire comme ça.
taper avec les nids comme on peut. En fait, je pourrais le faire avec mes deux persos, on pourrait avoir plus de chances de l'avoir, mais... Elle sort d'apprivoisement au prochain tour. Oh putain, le soin. Regardez comment on va faire. Putain, il est chiant, lui, quand il veut. Alors, apprivoisez-moi. Voilà. Ah voilà. Et voilà, donc on a capturé une Dédé amande avec Lenny. Donc maintenant, je vais vous montrer, une fois qu'elle est capturée, on l'a comme monture. Donc elle est là. Elle a déjà de, ouais, elle a de bonnes stats en plus. Donc je vais la garder, mais je vais vous montrer avec vous. Rendez-vous à Bonta HDV Animaux, ou à Brakmar, hein, c'est pareil. Hôtel de vente des animaux. Le certificat, ben, vous allez à l'enclos pour l'avoir. Alors, acheter, certificat de monture. On va mettre sauvage, comme ça on verra les trois. Alors, les dorées, elles sont à 90 000 KU. Les rousses à 285 000. Vous voyez, elles viennent d'être capturées. Hein. Y a rien qui change. Hein. Et les amandes à 185 000. Donc là, j'ai 12 minutes de vidéo. J'ai vraiment le temps de vous expliquer. J'ai vraiment pas farmé ni rien. Et je capture qu'avec un seul perso. Et on vient de se faire presque 200 000 kama. On le tape en vente et puis on repart. Mais pourquoi en fait, vous allez me dire pourquoi ça? Parce qu'il y a des quêtes qui sont très importantes, je sais plus pourquoi. Mais il y a des quêtes qui demandent des DD comme ça. Donc moi, j'ai déjà capturé ces deux là hier. Il y en a deux qui sont fécondes en plus. Non, une qui est féconde parce que je vais essayer de faire commencer un petit élevage tout simplement. Et maintenant, celle-là qui est femelle, donc je vais la garder. On va juste regarder, il manque de l'endurance, donc on va la mettre là-bas. Ah, quoique. Ouais, non, je vais la mettre ici. Me demandez pas pourquoi, mais c'est parce que je sais, c'est pour l'élevage et tout ça, je sais bien qu'il faut monter et tout. Donc là, comme elle est à fond en amour, enfin, il lui faut 7500 au minimum. Je vais monter, descendre. Sa barre de joie, ou je sais pas comment ça s'appelle, la barre ici, pour qu'elle soit entre ces deux petits trucs là, pour qu'elle soit assez pour monter la maturité. Je monterai la maturité, puis je descendrai et je monterai l'endurance. Comme ça, je pourrais là la faire reproduire avec une soit la rousse, soit l'amande. Je verrai bien. Je crois que je vais essayer de faire rousse, amande et amande rousse. Enfin, je verrai bien. Enfin, soit, la vidéo, je vais la couper ici. Mais j'espère que ça vous a plu, que cette technique vous aura servi. Moi, en tout cas, je vais encore la farmer pendant un petit moment parce que j'ai un petit manque de kama. Oh, elle est là, la petite Dédé. Un petit manque de kama. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, les amis. Essayez de farmer de votre côté sans trop baisser les prix et tout ça parce que ça ne sert à rien. J'espère que ça va vous servir. N'oubliez pas le petit pouce vert en dessous de la vidéo. Si vous voulez me suivre sur Twitter et Facebook, c'est tout est dans la description. Il y a mes partenaires, enfin, il y a vraiment tout. Moi, je vous dis au revoir et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Salut à tous!